Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur cette conférence débat organisée par la commission écologie de la gauche anticapitaliste et dont le thème est Face à la pandémie, science, pouvoir et société. Alors nous accueillons sur notre plateau, je vais parler comme les professionnels, Jacinthe Mazzocchetti qui est anthropologue à l'Université catholique de Louvain. Laurent Vogel, qui est juriste et chercheur à l'Institut syndical européen, l'ETUI, Marek Kolle, qui est biologiste et membre de la commission écologie de la gauche anticapitaliste, et Grégoire Vallenborn, qui est chercheur en sciences de l'environnement à l'ULB et philosophe. Alors, pourquoi ce débat? Ben parce que les grands problèmes globaux, que ce soit le climat, la défense de la biodiversité ou aujourd'hui la lutte contre la pandémie, poussent les décideurs politiques à s'appuyer sur une expertise scientifique afin de déterminer les politiques possibles qu'ils puissent mener. Et on voit, étant donné la croissance de ces problèmes globaux, on voit apparaître de nouvelles formes, qu'on pourrait dire de nouvelles formes organiques d'association des scientifiques à l'identification des politiques publiques possibles. C'est très clairement la fonction du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. C'est la fonction également de l'IPBES, le GIEC de la biodiversité. Tous deux se contentent de formuler des possibles parmi lesquels il revient au pouvoir politique de faire son choix. Une étape supplémentaire est franchie dans le cas de la pandémie avec le groupe d'experts sur l'exit stratégie, le GIS, le groupe d'experts sur le déconfinement, la stratégie de déconfinement, qui lui assume ouvertement qu'il fait des recommandations au pouvoir politique. Ça pose donc le problème, dans tous les cas, quelle que soit la formule organique de ces associations, ça pose le problème de l'indépendance de la recherche scientifique et derrière elle de l'indépendance de l'université face aux pouvoirs établis, qu'ils soient économiques et politiques, et face aux paradigmes dominants. À l'inverse, ça pose aussi la question du rapport de la recherche scientifique et de l'expertise des chercheurs par rapport aux mouvements sociaux qui sont parfois en contradiction avec les politiques de ces pouvoirs établis. Toujours est-il que, il y a dans l'opinion publique, je crois, un soupçon de subordination de la recherche face aux pouvoirs économiques ou politiques. Réel ou supposé, cette idée qui existe dans l'opinion favorise des thèses complotistes, et on les voit se multiplier très clairement dans le cadre de la pandémie, en particulier aux États-Unis ou au Brésil, ou récemment en Espagne, si vous avez entendu les informations où l'extrême droite manifestait contre le confinement, contre la politique du gouvernement. En retour, ces idées complotistes favorisent évidemment, ou peuvent favoriser, me semble-t-il, un certain comportement des chercheurs qui assumeraient, consciemment ou inconsciemment, de se positionner en conseiller des pouvoirs éclairés par opposition au pouvoir négationniste de la pandémie que représentent Trump, Bolsonaro ou d'autres. Et il nous semble, à la gauche anticapitaliste, que pas mal de commentaires de chercheurs depuis le début de cette pandémie dans notre pays vont dans ce sens-là. Une sorte d'autocensure, une tendance à esquiver des questions gênantes, par exemple, la réponse à la pandémie a-t-elle été tardive en Belgique? Est-ce que ça explique un surcroît de morts? On ne répond pas vraiment. Puis, sur la question des masques, il a fallu un certain temps avant que des scientifiques osent dire, ben oui, les masques sont utiles dans le cadre d'une politique de petits gestes barrières. Voilà, donc le décor est planté, ça soulève une série de questions. Première question, qu'est-ce que ça signifie pour l'université, pour la recherche d'être au service de la société? C'est une des trois missions de l'université dans notre pays. Comment être au service de la société sans être instrumentalisé par les pouvoirs économiques ou les pouvoirs politiques? Comment, en tant que chercheur, séparer
un rôle d'expert, qui apporte un savoir indispensable, d'un rôle de citoyen. Comment ne pas mélanger les deux? Comment ne pas exiger pour soi-même en tant que citoyen un rôle plus important parce qu'on a une expertise, n'est-ce pas, par rapport à d'autres citoyens? Et peut-être, enfin, une dernière question, quelle est la différence dans tout ça entre les sciences exactes et les sciences humaines et sociales, comme on dit? Alors, voilà, on va donner la parole à nos quatre protagonistes, chacun pour 10 minutes. Chacun et chacune, après les 10 minutes, réagira en 2 minutes sur ce que les autres auront dit, après quoi vous, toutes et tous qui nous écoutez et nous regardez, aurez la possibilité de poser quelques questions. Malheureusement, ce n'est pas vraiment un débat démocratique. Vous devrez être extrêmement bref et très précis dans vos questions. Il y aura peu de temps pour y répondre. Si vous faites des commentaires généraux, c'est bien simple, on ne les traitera pas. Donc, je vous demande à toutes et tous d'être disciplinés. Encore une fois, merci d'être là confinés et confinés. Merci de partager l'événement sur les réseaux sociaux et d'y inviter vos amis. Alors voilà, dans un premier temps, je vais me tourner vers Jacinthe Mazzocchetti, anthropologue. Jacinthe, je voudrais ton avis d'abord en général sur les questions soulevées dans les quelques mots que je viens de dire. Et je voudrais que tu situes par rapport à ça l'initiative Carta Academica, dont tu es une des 123, si je ne me trompe, signataires. Une initiative qui... dénonce, je crois qu'on peut employer ce mot un peu brutal, le règne de l'argent dans nos sociétés, qui envisage 3 rôles possibles pour l'université: la fonction de tour d'ivoire, la fonction de relais du pouvoir, les conseillers éclairés du pouvoir, ou la fonction d'une instance, d'une université insoumise, comme vous dites dans le texte. C'est, je suppose, la fonction d'une université critique. Et je te demanderai de préciser si cette fonction d'université critique va dans le sens de ce que certains appellent la transdisciplinarité, c'est-à-dire l'immersion de la recherche dans les mouvements sociaux pour déterminer avec les mouvements sociaux les questions de recherche et l'avenir des solutions proposées par la recherche. Jacinthe, c'est à toi. Ok, bonsoir. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup de m'avoir convié à cette rencontre, donc des grandes et importantes questions. Pour respecter mon temps de parole, en fait, je vais prendre appui sur mon expérience et donc sans prétention d'exhaustivité. Je vais mettre tout d'abord en avant quelques idées quant au rapport des scientifiques à la décision politique et aux acteurs sociaux autour de 5 mots-clés. Indépendance, temporalité, rigueur, utilité sociale et engagement. Et dans un deuxième temps, je dirais donc quelques mots de l'initiative Carta Academica. Donc la recherche scientifique, ce n'est pas un travail réalisé dans l'instant. Elle ne traite pas l'événement pour l'événement, elle exige du temps. Cependant, par le choix des objets, les intuitions, les logiques mises en lumière, les recherches, et en ce qui me concerne les ethnographies, peuvent participer non seulement de la compréhension de l'actualité, mais également, si elles sont lues avec attention, anticiper certaines réalités et fournir de la sorte quelques clés pour analyser les lames de fond qui traversent les sociétés. Et nous avons là, il me semble, de manière générale et face à notre actualité, un double rôle à jouer. D'une part, nos travaux de recherche, bien que parfois très éloignés du Covid-19, si je prends mon cas, je travaille sur les questions migratoires depuis une vingtaine d'années, ont bien souvent quelque chose à dire, non seulement à propos de ce qui se joue présentement et de la manière dont nous en sommes arrivés là, mais également à propos de certains enjeux singuliers, tels que, ce qui me concerne, la mise en exergue de la thanatopolitique, donc cette gestion mortifère à l'œuvre, notamment à nos frontières, et plus largement à l'égard des personnes au statut juridique non reconnu. Thanatopolitique dont les effets sont décuplés par la situation de pandémie et de confinement, en lien notamment avec l'absence de régularisation des sans-papiers, alors que la situation sanitaire l'exige, avant tout pour ces personnes, bien entendu, comme le réclament divers collectifs, mais aussi, en dehors des considérations politiques ou morales, pour le bien commun de la société. D'autre part, ce temps long de la recherche permet de participer à penser des propositions ancrées dans des réalités complexes, et à titre d'exemple, en lien à nouveau avec mes recherches, non seulement
à décoder les ressorts d'infériorité sur lesquels reposent les logiques de tri entre les vies dignes d'être préservées, mais également de comprendre comment les processus d'inégalité des vies se reproduisent et s'accentuent en situation de crise. Les dynamiques de recherche en sciences sociales, dans leur dialogue permanent entre local et global, et l'attention portée aux rapports de force, aux rapports de pouvoir, aux asymétries, ainsi qu'aux marges de manœuvre, nous amènent à décrire et comprendre les paradoxes, les violences, les ambivalences à l'œuvre au sein des groupes humains et des sociétés. Davantage que dans une logique d'expertise, qui est une sorte de professionnalisation de la pensée qui serait mise au service d'eux, avec toutes les formes de contraintes et de restrictions que ça suppose, il s'agit au contraire pour moi de tenter de penser le plus librement possible à partir de nos travaux de recherche. Et cette liberté de penser, cette observation indispensable des critères de rigueur et de validité scientifique, n'empêche pas de collaborer avec des pouvoirs politiques ou économiques, ou avec des mouvements sociaux, mais en respect de certaines conditions de faisabilité, la principale étant, il me semble, la mise en place d'un cadre qui permet, vis-à-vis des pouvoirs politiques, de préserver l'autonomie de la recherche et vis-à-vis des mouvements sociaux, que la collaboration soit réfléchie et pensée. Il importe par ailleurs de distinguer différentes postures aux implications singulières, allant de la recherche fondamentale aux travaux de recherche au service d'une cause ou d'un groupe, de dynamique collaborative aux sollicitations ponctuelles dites d'expertise. De manière générale, mais de fait influencée par le type de posture et de collaboration, il me semble que la chercheur, bien qu'inclus dans une dynamique liée à l'action, ne devrait pas pour autant renoncer aux critères de recevabilité propres à la recherche fondamentale. Donc, nourri et interpellé par les acteurs de la société civile, sollicité parfois par des mouvements sociaux, mais aussi des pouvoirs politiques et économiques, elle se doit, il me semble, de ne pas se laisser enfermer dans des logiques utilitaristes et court-termistes. L'enjeu est bien ici, à partir de terrains ancrés, de déployer une pensée critique en collaboration, parfois avec des mouvements sociaux, et de la rendre publique sans perdre de crédibilité et de légitimité. Il ne s'agit donc pas d'une prise de parti a priori, mais en quelque sorte a posteriori, au vu des éléments mis à jour au travers des études réalisées. Se dessine alors la posture de l'anthropologie et plus largement des sciences sociales publiques, où le chercheur serait, sans perdre rigueur et liberté d'analyse, un témoin privilégié, engagé. En ce qui concerne l'initiative de Carta Academica, donc autrement dit le rapport des 123 chercheurs de sciences humaines et sociales sur les enjeux du déconfinement, donc je voudrais tout d'abord préciser que bien que membre de ce collectif, je ne suis pas l'initiatrice de cette démarche qui a été pilotée par un petit groupe interdisciplinaire et coordonnée par Olivier Servet et Yves Moreau. Donc, il est vrai que l'impulsion première fait suite à l'annonce de la composition du groupe d'experts officiels, avec la volonté de mettre en avant la richesse des connaissances en sciences sociales et humaines disponibles dans l'ensemble de la communauté universitaire belge. La dynamique transdisciplinaire, donc hors hiérarchisation des savoirs, permet en outre d'appréhender les questions soulevées de façon beaucoup plus transversale, mais aussi en quelque sorte plus pragmatique, grâce à la mise en commun de connaissances plurisituées. Chaque groupe de contributeurs est partie de ses propres travaux de recherche afin de mettre en exergue des questions importantes telles que les inégalités de genre, les précarités, la situation des personnes sans papier, l'impact psychique du confinement et bien d'autres enjeux fondamentaux. À nouveau, sans prétention d'exhaustivité, 50 courts textes ont été produits et co-signés par 123 chercheurs dans une perspective donc transdisciplinaire, mais aussi d'alliance entre les différentes universités belges et avec certains réseaux citoyens et associatifs. Il nous apparaissait important de mettre en avant les enjeux sociaux relatifs à la pandémie et à sa gestion, en parallèle des questions sanitaires et économiques, afin qu'une approche holistique de sortie de crise puisse être pensée, de réinscrire la pandémie et sa gestion dans une analyse sociétale critique, et enfin de s'atteler à penser des propositions concrètes à court, moyen et long terme. Une des idées fortes, et je parle ici en mon nom propre, était de mettre en tension notre système économique capitaliste avec la dégradation des écosystèmes, l'accroissement des inégalités et leurs conséquences dramatiques,
mais également de mettre en avant les effets d'un abandon progressif des services publics et du soutien à la recherche indépendante qui paralyse toute possibilité d'anticipation et de prévention des catastrophes. Ce qui, à l'initiative de Carta Academica il y a maintenant 3 ans, nous a rassemblés, c'est d'une part une réflexion sur le rôle des universitaires et plus largement de la recherche à l'égard de la société et sur la nécessité de rendre nos résultats de recherche accessibles, de collaborer avec les mondes sociaux, autrement dit de se mettre au service de la société sans pour autant, et c'est très important, être de servitude. Comme je le disais en démarrant, le temps de conception et de production de la recherche se doit, à mon sens, d'être le plus libre possible afin de permettre non seulement la production de données de qualité, mais également de pouvoir déployer une perspective critique. D'autre part, nous a rassemblé la volonté de prendre part au débat public en vulgarisant et diffusant nos connaissances avec, en certaines circonstances, comme ce fut le cas ici avec le rapport des 123, la possibilité d'ouvrir des discussions critiques et de proposer des alternatives concrètes. Enfin, et je terminerai avec cela, de mon point de vue, participer à penser des alternatives concrètes ne suppose pas de renoncer, que du contraire, à déployer une critique plus radicale et transversale de nos institutions, modes de vie et systèmes politiques et économiques. Notre société, les discours et politiques néolibéraux exigent de notre part une vigilance accrue à décoder la pensée dominante de la rentabilité, de l'utilitarisme, de la performance, de l'immédiateté. Si des recherches en sciences sociales faites en chambre et au rendu inaccessible ne font guère sens, a contrario, adopter et relayer la vision contemporaine largement majoritaire d'une université avant tout utile à l'emploi ou cantonnée au rôle d'expert me semble extrêmement dangereux. D'où la proposition d'une université comme instance d'insoumission qui permet de développer l'esprit critique. Voilà, je pense que j'étais dans mes 10 minutes et je vous remercie pour votre écoute. C'était en effet impeccable du point de vue du timing. Merci Jacinthe pour cette contribution très riche. Et je me tourne maintenant vers Laurent Vogel, qui est donc, comme je l'ai dit, juriste, enseignant d'ailleurs en tant que juriste et chercheur à l'Institut syndical européen, l'ETUI, European Trade Union Institute. Je suppose qu'un certain nombre de choses qui ont été dites par Jacinthe auront sonné agréablement à tes oreilles, Laurent, en parlant de recherche critique, indépendante, engagée, etc. Toi, tu es véritablement dans cette situation-là, je dirais institutionnellement, puisque l'ETUI est un institut de recherche lié au mouvement syndical. À partir de ce point de vue-là, puisque Jacinthe parlait de connaissances situées et de recherches situées, quel est le regard que tu portes sur la crise du Covid, sur la politique sanitaire qui est menée par nos gouvernements? Et enfin, je dirais, question subsidiaire, peut-on se réclamer d'une recherche scientifiquement rigoureuse et indépendante tout en étant rétribué par un institut syndical qui donc choisit son camp dans la lutte de classe? Alors, je vais peut-être commencer par la dernière question. Oui, on peut faire une recherche rigoureuse. Justement, je crois que quand on parle du travail, ce n'est pas comme si on étudiait, je sais pas, le vol des libellules. Hein, le travail, c'est nécessairement une question dans laquelle les rapports de classe, les rapports sociaux de sexe se posent. Et donc, le fait d'assumer ces engagements, à mon avis, ne constitue absolument pas un obstacle à la rigueur de la qualité du travail qu'on fait. Ce sont, au contraire, je dirais que c'est plutôt quelque chose qui clarifie à ce moment-là les enjeux d'emblée et qui ne nous empêche pas, évidemment, ensuite de faire un travail, je dirais, qui répond aux critères normaux de ce qu'on attend d'un travail de qualité scientifique. Alors maintenant, si je reprends la gestion de la crise, qu'est-ce qu'on voit? Le titre de la rencontre, c'est « Science, expertise et pouvoir ». Et par rapport aux questions que tu as posées au tout début, je ne partage pas du tout les points de vue, je dirais, complotistes en ce qui concerne la science. Donc, je crois qu'en gros, la recherche scientifique dans les différents champs qui sont impactés aujourd'hui par la crise du Covid
joue son rôle. Et on le voit par exemple aujourd'hui avec les débats sur la question des traitements où, de nouveau, c'est avec rigueur que la majorité des scientifiques essayent d'aborder la question des traitements. L'expertise, c'est autre chose. Et donc, il faut se garder, je dirais, d'une vision naïve qui dirait ben, la science, c'est le fondamental. Ensuite, on va dans des choses appliquées, et ça, c'est le rôle des experts. Et les experts éclairent le pouvoir dans la manière de traiter une crise. En fait, il y a en permanence des rétroactions dans cette chaîne. Hein, donc, par exemple, au lendemain, enfin, dans la période qui a suivi les deux premiers coronavirus, hein, le SARS et le MERS, il y a eu énormément d'argent pour la recherche fondamentale biomédicale sur les coronavirus. Et puis, les subsides ont été interrompus parce que les gouvernements ont estimé que ce n'était plus une priorité. Et donc, on a quantité de chercheurs dont les connaissances auraient été très précieuses aujourd'hui, qui n'ont pas pu continuer, ou en tout cas qui n'ont pas pu continuer avec toute l'ampleur voulue, leur recherche dans le domaine des coronavirus. Et donc, on a évidemment pris du retard par rapport aux réponses qu'on aurait pu apporter par rapport au Covid-19. Alors, en ce qui concerne l'expertise aujourd'hui, elle est vraiment tournée vers le haut. Donc ça, c'est le constat qu'on peut faire en Belgique, mais je crois qu'on peut le faire un peu partout dans le monde. Les experts sélectionnés par le gouvernement répondent aux questions que pose le gouvernement et sont très peu attentifs aux questions qui viennent du bas. Et donc là, on peut vraiment opposer la crise du Covid avec ce qui s'est passé avec le sida. Hein, quand on voit ce qui s'est passé avec le sida, non sans lutte évidemment et sans mobilisation, mais il y a eu à un certain moment la reconnaissance qu'il fallait une alliance entre trois types de savoirs. Un savoir biomédical, et ça, on le fait pour le Covid, il n'y a pas de, je dirais pas de souci excessif à se faire de ce côté-là. Un savoir en sciences sociales, et on le fait très très peu dans le cadre du Covid, pratiquement rien. Et un savoir qui vient du bas, c'est-à-dire des personnes affectées ou susceptibles d'être affectées par la maladie. Et là, dans le cas du Covid, c'est zéro. Alors qu'au contraire, dans le cas du sida, au bout d'un certain temps, on a reconnu qu'il était indispensable de passer aussi par ce savoir du bas, sans quoi les autres savoirs allaient être incomplets, les questions formulées ne seraient pas nécessairement satisfaisantes. Alors, pour en revenir maintenant à la question du travail, le Covid, la contagion se fait par les voies respiratoires, et le travail est, je dirais, l'endroit où il y a de façon intensifiée des contacts entre les personnes, et aussi des contacts entre les personnes et les matières. Et donc, dès lors qu'on a une contagion par voie respiratoire, le travail devient évidemment un enjeu essentiel. Ce n'est pas seulement le nombre d'heures qu'on passe sur les lieux de travail, c'est aussi l'intensité des rapports entre les gens, la nécessité de communiquer. Il n'est pas possible de travailler sans communiquer, sans entrer en contact de façon permanente avec les autres, par des paroles, par des gestes, de différentes manières. Et donc, qu'est-ce qu'on voit dans les statistiques actuelles qui sont malheureusement pas très complètes dans ce domaine, c'est que pour la population entre 20 et 64 ans, le travail a été le vecteur principal de la contagion. Alors, c'est de façon écrasante, on peut le démontrer pour les femmes, parce qu'elles sont concentrées dans des secteurs qui ont été les plus exposés, notamment au moment où on a fermé une partie des entreprises dans les autres secteurs. Et donc là, c'est absolument clair pour les femmes entre 20 et 64 ans. La très grande majorité des femmes qui ont été atteintes par le Covid l'ont été atteintes sur leur lieu de travail. C'est également vrai pour les hommes, mais dans une mesure moins prédominante, moins immédiatement visible que pour les femmes. Et donc là, les chiffres italiens, par exemple, qui sont arrivés, que j'ai lus plutôt aujourd'hui, indiquent que, par exemple, dans les contaminations sur le lieu de travail, on a à peu près 3/4 de femmes. Et je crois qu'on retrouverait des chiffres pas très différents dans les autres pays d'Europe occidentale. Alors, qu'est-ce qu'on a vu en Belgique? En Belgique, on a énormément mobilisé la statistique, hein, c'est tout le travail que fait Sciences-Sano, qui est un travail sérieux avec des méthodologies qui ne sont pas critiquables en tant que telles, mais dont on a complètement évacué l'aspect travail. Autrement dit, Sciences-Sano recueille de façon systématique des statistiques sur la morbidité, sur la mortalité, etc., et écarte systématiquement la question du travail. Et en écartant la question du travail, on écarte aussi la question des inégalités sociales de santé. Autrement dit, c'est clair que si l'on considère la dimension travail, on va voir que certains secteurs ont été frappés de façon beaucoup plus forte que d'autres, ce qui n'a rien d'étonnant. Hein, il y a eu des recherches qui ont été faites en France sur quels sont les secteurs et les professions pour lesquelles
une contagion par les voies respiratoires posait le plus de problèmes, et ce sont massivement des secteurs féminins, et ce sont massivement des secteurs, je dirais, à considérer comme à basse classification. Et donc, c'est clair qu'à partir du moment où on pose la question du travail, on doit aussi poser la question des inégalités sociales. Et dans les approches qui ont été adoptées au niveau politique vis-à-vis du Covid, cette question des inégalités sociales n'est absolument pas abordée. Et donc, on a une approche qui est hygiéniste, mais qui est, je dirais, très, très ancienne dans sa vision de l'hygiène. C'est-à-dire qu'il considère tout comme étant de simples espaces. Et donc, on raisonne par rapport à la distance entre les personnes, et il est tout à fait correct de le faire, et par rapport aux barrières qu'on va mettre entre les personnes. Et c'est également correct de le faire. La question donc des différentes barrières, physiques ou chimiques, qu'il faut établir pour éviter la contagion. Mais le problème, précisément, c'est que les espaces ne sont pas des espaces indistincts. Et les espaces où se déroule le travail, ce n'est pas la même chose qu'un stade sportif, une église, un lieu de rassemblement de n'importe quel type. Et ça, c'est vraiment l'angle mort aujourd'hui des interventions hygiénistes qui sont entreprises. Et donc, qu'est-ce qu'on va alors avoir? On va avoir de plus en plus de travailleurs devant des injonctions paradoxales. On leur dit respecter les règles d'hygiène, et effectivement, on a raison de leur dire respecter les règles d'hygiène, mais ces règles ne sont pas compatibles avec leur travail, ou devraient au minimum être adaptées à leurs conditions de travail. Et c'est ce qu'on a vu avec le mouvement de la STIB. Hein, donc, dans le mouvement de la STIB, on leur a dit « vous respectez les règles », on les a informés des règles, et puis par leur connaissance qu'ils ont de l'organisation du travail, ils ont dit « oui, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Hein ». C'est le problème de la désinfection des bus qu'on fait uniquement quand ils rentrent au dépôt, alors qu'on devrait le faire chaque fois qu'il y a une rotation du personnel. C'est une réponse très simple et complètement sensée, complètement juste de leur part. Et là, ça a été immédiatement écarté, comme relevant de l'irrationalité, etc. Alors, sur le plan de l'argumentation, que dit la STIB? Elle dit qu'on n'a pas de statistiques prouvant que le Covid est un problème à la STIB. Forcément, on n'a pas de statistiques puisqu'on ne remplit même pas l'indication en Belgique de la profession. Donc, on est dans le brouillard. Si on utilise les statistiques d'autres pays, on voit que le secteur des transports, pour les secteurs masculins, donc ce n'est pas vrai pour les femmes c'est clairement les soins de santé, mais pour les secteurs masculins, on voit que le secteur des transports a été un des secteurs les plus sensibles en termes de lieu de travail où la contagion s'est produite. Donc voilà, ça c'est un peu, pour rester bref, je dirais qu'il y a vraiment aujourd'hui un enjeu un peu comparable à ce qu'on a eu pendant les premières années du sida, même si la temporalité est complètement différente. C'est clair que dans le cas du Covid, il y a une urgence encore beaucoup plus grande que par rapport au sida, parce que la diffusion de la pandémie est beaucoup plus rapide par voie respiratoire. Et donc on est confronté à une situation quand même qui est comparable, dans le sens qu'il faut à tout prix faire reconnaître l'importance des savoirs du bas, et faire reconnaître l'importance de l'interdisciplinarité, c'est-à-dire des sciences sociales. Et ce n'est aujourd'hui pas du tout acquis. Et je crois que c'est en s'appuyant sur les résistances qui aujourd'hui viennent principalement du monde du travail, donc quand on voit la remise en cause des politiques publiques concernant le Covid, les formes de résistance les plus importantes, que ce soit en Italie du Nord, que ce soit dans les ateliers, les centres logistiques Amazon un peu partout dans le monde, que ce soit en Belgique avec la STIB, ou que ce soit dans les mois qui viennent, sans doute dans le secteur des soins de santé et des maisons de retraite, les formes de résistance principales viennent du travail. Et donc, je crois qu'il y a un énorme intérêt de la part de l'ensemble du monde scientifique à créer des alliances et à se nourrir les uns les autres, à la fois en termes de connaissances et en termes d'action politique. Quelle discipline, toutes et tous, c'est remarquable. Merci Laurent, je me tourne maintenant vers Marek Kohl. Marek, tu es biologiste, et si nous avons proposé que tu interviennes dans ce panel, c'est parce qu'il y a une question qui est trop peu présente dans le débat et dans les rapports des experts ou des chercheurs qui sont sollicités pour conseiller les politiques publiques. Et cette question, c'est celle des origines écologiques, ou plutôt anti-écologique, de la zoonose. Il y a toute une série de recherches ces dernières années, ou ça remonte à plus de 15 ans, qui établissent un lien entre l'émergence de nouveaux virus, de nouvelles viroses, et les phénomènes de destruction de milieux naturels, ou les phénomènes d'artificialisation, tels que l'élevage industriel, l'agrobusiness, etc.
j'aimerais que tu nous fasses un point là-dessus et que tu commentes, que tu dises quelque chose de la manière dont ça devrait percoler jusque dans des recommandations des scientifiques au pouvoir politique, si tant est que les scientifiques doivent faire de telles recommandations. Au moins, cette question devrait-elle être abordée, et jusqu'à présent, elle ne l'est absolument pas. Oui, bonjour. En effet, moi, j'ai écrit un premier article sur la question du corona et sur cette pandémie, et je parlais des causes structurelles de cette pandémie. Je ne parlais donc pas des mesures concrètes prises ici ou là, mais de ce qui s'est passé en Chine et des causes structurelles de cette pandémie. Le virus qui a reçu le nom de SARS-CoV-2 est un virus de la famille des corona, et on a connu une première éruption de SARS en Chine du Sud en 2002. Il s'agissait d'un nouveau virus et d'une nouvelle maladie des poumons. En 2002, la Chine a reconnu assez vite l'importance de cette maladie et l'OMS a lancé une alerte mondiale sur le SARS déjà en mars 2003. Ensuite, il y a eu l'émergence d'une maladie similaire dans des élevages de dromadaires en Jordanie, et c'était le Middle East Respiratory Syndrome, le MERS, une maladie donc similaire, et donc dans les deux cas, il s'agissait d'un virus des chauves-souris qui a sauté sur l'homme. Alors, dans le cas qui nous occupe maintenant, c'est en fin janvier 2020 que la Chine a commencé à fond à collaborer avec l'Organisation mondiale de la santé, et elle a alors publié déjà une première carte du génome de ce virus. Avant cela, dans les mois de décembre 2019, la Chine ne reconnaissait pas l'existence d'un problème. Elle a même sanctionné le médecin qui en est mort du COVID après. Mais depuis lors, la Chine a reconnu l'importance du problème et fermé la ville de Wuhan. Maintenant, Wuhan, c'est une ville de 14 millions d'habitants, c'est plus que les Belges. Hein? Alors, si on regarde un peu plus loin cette émergence de ce nouveau virus, on voit que le nombre d'épidémies à partir de la fin du XXe siècle et ces 20 dernières années, le nombre d'épidémies qui se mondialisent est impressionnant. On en a parlé, le virus du sida, d'Ebola, de Zika, de la dengue, toute une série de virus et aussi différents types de virus qui sont la cause de grippe chez l'homme et chez l'animal. Donc, le nombre de ces épidémies est impressionnant et on peut dire que ces épidémies émergent maintenant parce que l'impact de l'homme sur l'écosystème, sur les différents écosystèmes, est devenu de plus en plus important et déterminant. Je nomme quelques éléments de cela. Il y a d'abord l'augmentation exponentielle des voyages par avion. Je vous rappelle que cette pandémie de corona s'est répandue en neuf jours sur le globe, dans tous les continents, grâce aux voyages par avion. Il y a deuxièmement la destruction massive des forêts et le remplacement par des monocultures pour l'exportation. Ça va jusqu'en Éthiopie, où il y a maintenant 150 000 travailleurs qui perdent leur boulot dans les monocultures de roses, de fleurs, qui sont envoyées par avion normalement en Hollande pour la vente en Europe. Donc, remplacement des forêts par des monocultures, on appelle ça des plantations. Et puis, il y a aussi, avec la destruction des forêts, ça a commencé en Amazonie dans les années 70 déjà. On coupe les forêts, on installe des grandes routes et des camions peuvent se déplacer entre la forêt et les mégavilles. Il y a donc un rapprochement physique et dans le temps entre les écosystèmes sauvages et les grandes villes. Et dernièrement, avant-dernier élément, les élevages intensifs avec des épidémies en série, grippe porcine, grippe aviaire, etc. Je vous rappelle que la Belgique a 47 millions de poules dans des élevages. 47 millions, ce n'est pas nous qui les mangeons, c'est pour l'exportation, tout ça. On a presque 5 millions de porcs et 3 millions de vaches dans notre pays. Et à côté, après ces élevages intensifs, qui ont connu des épidémies en série, hein,
par exemple, une épidémie de grippe porcine a obligé la Chine de tuer la moitié de ses porcs, ce qui a bénéficié à nos éleveurs à nous, pour lesquels le prix du porc a monté en flèche. On peut même parler d'une chaîne mondiale de l'alimentation. Pardon. Et finalement, il y a un autre élément qui est à l'origine directe de cette épidémie du corona, c'est le commerce de la viande de brousse, de la viande d'animaux sauvages, qui est principalement un commerce illégal, mais très lucratif. Hein. On a calculé, le WWF a calculé que ce marché concerne entre 7 et 23 milliards de dollars par an. Il y a des avions qui arrivent du Congo avec la viande exotique qui se vend à Bruxelles, pas uniquement parmi la diaspora, mais aussi pour les gens qui sont un peu snob. Bien, tous ces éléments-là augmentent le risque d'épidémies comme celle que nous connaissons maintenant. Mais malgré les avertissements par l'OMS après l'épidémie du SRAS en 2003, la recherche a été mise en place, mais a été arrêtée. Il n'y a pas eu assez d'argent pour faire une étude approfondie des mécanismes du virus corona et une étude pour produire un vaccin. Ainsi aussi, l'élevage intensif des animaux n'est pas mis en question parce qu'il y a des objectifs de chaîne de valeur qui jouent pleinement contre la critique sur cette production de nourriture. Alors, que font et que font peuvent faire les scientifiques là-dedans? Moi, je dirais que nos experts en virologie et en épidémie nous informent bien des mesures sanitaires à prendre, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau social. Au niveau social, ça concerne presque uniquement les mesures dans les entreprises et les écoles. Les mesures sociales qu'il faudrait prendre pour le bien-être des gens restent en retrait absolu. Ils ne s'occupent pas de cela. Dernier exemple, c'est tous les parents qui s'inquiètent pour leurs enfants, pour le bien-être psychique de leurs enfants. Ça, ce n'est pas un souci de nos experts en virologie. Mais aussi, leur message respecte quand même toujours les limites imposées par le pouvoir économique. La saga des masques protecteurs était à mourir de rire là-dedans. D'abord, on disait c'est de la foutaise, ça n'aide pas. Ensuite, on disait oui, mais on ne peut pas en avoir assez parce que tout le monde en veut. Et finalement, maintenant, trop tard, on va nous donner des masques. C'est ridicule. L'autre problème, c'est celui des tests qui n'est pas éclairci du tout et celui des traceurs de personnes malades. Tout ça a été mis en place qu'un, trop tard. On n'est pas dans la clarté là-dedans. Tandis que les mesures de restriction qui sont prises sont en fonction de l'intérêt des entreprises. Donc, d'abord, il faut aller travailler, avant tout. Et dans tous ces exemples, on le sent quand même, dans tous ces exemples, les experts ont tacitement respecté la politique et les intérêts défendus par le gouvernement. C'est les intérêts des entreprises et pas l'intérêt social. Donc, nos experts sont bien des scientifiques, mais leur discours qui est prétendu être neutre ne l'est pas du tout. Ils font de l'autocensure. Ils évitent de critiquer parce que c'est le front uni contre tous ensemble contre le virus. Alors, ce n'est pas du tout ensemble. L'inégalité sociale est trop grande pour cela. Ensuite, quand on regarde d'un peu plus loin les activités des scientifiques en général, il faut le voir dans leur contexte chaque fois. Pour qui travaille un chercheur? Quel est le but de sa recherche? Comment cette recherche peut-elle générer du profit? Ces questions-là jouent un rôle absolu dans les possibilités des chercheurs de travailler. Et les exemples dans l'histoire nous montrent abondamment ce qui a été le résultat de cela. Il y a le scandale de l'amiante qui ne causait pas de cancer. La radioactivité pouvait être bien gérée. Fumer n'était pas la cause de cancer du poumon, etc. Et récemment, les pressions des multinationales des énergies fossiles continuent à jouer sans cesse dans les conférences sur le climat. Et dans ce contexte-là, le GIEC est resté impuissant. Les avertissements des scientifiques n'ont rien donné dans les faits. Donc, il y a d'un côté
des scientifiques qui pensent que leur activité est neutre et qui ne se refusent de se prononcer sur des enjeux de société. D'un autre côté, il y a des scientifiques qui se font payer par les grandes entreprises, hein? C'est clair. Sans être un complot, une adepte des théories du complot, je pense qu'il faut rester critique envers toute vérité scientifique. Il y en a trop, il y a trop de vérités scientifiques qui ont été des mensonges dans le passé. Un vrai scientifique doit être libre dans le sens que Jacinthe l'a évoqué au début. Un scientifique doit contester les objectifs implicites des entreprises pour lesquelles il travaille. Et s'il le fait ou si elle le fait, le risque de perdre son boulot est très grand. De là, l'importance d'une recherche en tant que service public au service de la population. Un scientifique doit donc être honnête, mais pas uniquement dans le domaine étroit de sa recherche. Il ne doit pas faire du plagiat, il ne doit pas mentir, pas fausser les données, etc. Mais un scientifique honnête doit être socialement conscient. Il doit contester les paradigmes de la science dominante. Et il doit s'engager, je pense, dans le but de mettre la science au service des êtres humains et de la société. Parce qu'une science qui tire sa légitimité uniquement des profits qu'il génère est une science qui va nous détruire et qui est en train de nous détruire. Nous, on doit, les scientifiques doivent lutter et se mettre du côté de ceux qui luttent pour le renforcement des biens communs et des services publics de la collectivité. Un autre élément qui est un élément négatif dans ce qui est appelé les sciences, c'est la superspécialisation dans la plupart des disciplines scientifiques. Des scientifiques qui ne voient plus le contexte global, même pas le contexte global de leur spécialité. Des scientifiques qui vont dire « moi j'aime bien ces expériences parce que c'est beau », mais qui refusent de dire que cette expérience en énergie nucléaire, par exemple, peut mener à la mort. Donc, il y a une étroitesse d'esprit dans la tête de beaucoup de scientifiques parce qu'ils ne voient plus le contexte global. Ils ne le voient plus et cette étroitesse d'esprit est aussi le résultat d'une dépolitisation de l'activité scientifique. Tu conclues, s'il te plaît, Marie? Oui. Conclusion pour moi, c'est que les sciences doivent pouvoir s'organiser dans des institutions publiques sans interférence par les entreprises privées. Je parle maintenant surtout de l'industrie pharmaceutique parce que la santé est un droit humain. Ce n'est pas une question de science. Et la santé de la nature est également un enjeu pour l'avenir de nos sociétés. Merci. Merci, Marek. J'ai été plus souple pour le temps, étant donné que tu ne t'exprimes pas dans ta langue maternelle, ce dont on te remercie beaucoup. Hartelijk bedankt. Hein? Pour de Vlamingen hetzelfde. Hein? Et voilà, on va donner la parole à notre quatrième intervenant, Grégoire Vallenborn. Mais avant ça, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions en commentaire sur la page Facebook de la gauche anticapitaliste. Jusqu'à présent, je n'en ai reçu aucune, donc peut-être que, et même certainement que les différentes exposées étaient parfaitement limpides, mais n'hésitez pas à poser des questions, on tentera d'y répondre dès que nous aurons terminé ici dans le panel des intervenants. Donc Grégoire Vallenborn, qui est philosophe et chercheur en environnement à l'Université libre de Bruxelles, tu es particulièrement mobilisé dans tes recherches sur les questions de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique. On a pas mal fait référence jusqu'ici aux travaux du GIEC. Ça te donne peut-être un regard particulier sur le travail des experts du GIS, du groupe d'experts pour la sortie du confinement en Belgique. Oui, merci Alain, Daniel, pour toutes ces pour me donner la parole maintenant. Effectivement, si on doit faire un parallèle, je pense qu'il est compliqué à faire dans un premier temps, parce que moi, je n'aurais pas voulu être à la place des experts dans le fameux GIS.
l'incertitude est profonde. Et donc, se faire expert et conseiller du politique alors qu'une série de choses sont inconnues sur le virus, comment il se propage, quelle est sa létalité, comment est-ce qu'on mesure cette pandémie, quels sont les remèdes, etc. Je trouve que c'est très osé d'utiliser des modèles, hein, il y a des discussions, il y a même des controverses assez intenses dans le milieu scientifique. Quand on est dans une telle controverse, se poser en expert me semble assez audacieux, et donc je suppose que les collègues qui font ça, c'est parce qu'ils se disent qu'ils sont peut-être finalement les moins bien placés, et ils reconnaissent, je pense, les limites de l'exercice. Et le problème, c'est vraiment la courroie de transmission avec le politique et le respect sans doute beaucoup trop important qu'ils ont avec le politique et le fait qu'ils acceptent d'aller dans un groupe où effectivement l'expertise est limitée. Hein, comme disait souvent Isabelle Stengers, dis-moi les experts que tu convoques et je te dirai les questions que tu veux poser. Et donc, on l'a bien vu dans le groupe d'experts, qu'une série de savoirs, de compétences et de relais, surtout, était absent. Effectivement, tout ce qui est science sociale et humaine, et ça a déjà été dit, n'était pas présent. Et donc, ça reflète, il y a un parallèle à faire avec les politiques environnementales, et je vais y venir tout de suite, ça reflète une certaine vision, je pense, de ce que c'est la santé. La santé, c'est considéré comme quelque chose d'essentiellement biomédical, de curatif, d'individuel, chacun est sommé d'adopter les petits gestes barrières, hein. Il y a aussi les petits gestes pour l'environnement, tout ça c'est tout à fait nécessaire, mais on sait bien que c'est aussi complètement insuffisant. Et donc il y a une forme de culpabilisation sur les individus par le cadrage même de l'expertise au sein du groupe qui conseille les ministres. Or on sait bien la santé et n'importe qui travaille sur la santé globale vous dira que l'environnement est très important. Le fait qu'on ait laissé crever littéralement nos vieux dans les homes est pour moi insupportable. Il y a peut-être même un rapprochement un peu fort à faire, mais avec les millions de bêtes qu'on sacrifie aussi quand il y a une virose, etc. Enfin, il y a un impensé de la santé, je trouve, comme il y a un impensé aussi de la manière dont effectivement le marché définit aujourd'hui ce qui est la bonne manière de traiter les questions d'environnement. Et donc, je peux essayer de répondre à ta question en faisant le parallèle avec ce qui se passe au GIEC. Quand on regarde les scénarios et les modélisations qui sont proposées dans le groupe de travail 3, du GIEC qui travaille donc à faire des propositions notamment sur l'atténuation du changement climatique. En fait, en tous les cas, dans le dernier rapport, on peut espérer que dans le sixième rapport, ce sera différent, dans le dernier rapport, ce cadrage est influencé essentiellement par des économistes néolibéraux qui, pour faire de la modélisation, ont besoin de supposer un marché qui fonctionne parfaitement. Il propose ainsi une taxe carbone qui va donner toutes ses répercussions et ses effets parce que, évidemment, le marché va bien fonctionner. Mais c'est une hypothèse, on sait qu'elle est fausse. On l'a vu évidemment aussi dans cette pandémie actuelle, à quel point, quand on se base sur des outils de marché à court terme, on est incapable de faire face à des enjeux globaux. Et ça a été souligné aussi par les autres intervenants. Donc, il me semble qu'une recherche vraiment transdisciplinaire, et c'est la troisième mission de l'université, comme tu le soulignais en entrée, à laquelle je tiens énormément, elle doit effectivement se brancher sur les usagers et les collectifs. Il faut les deux. Et donc, plutôt que de parler de consommateurs ou de patients, parler d'usagers comme... Dans le cadre du SIDA, c'était un très bon exemple. Effectivement, c'est un collectif d'usagers qui se met ensemble pour dire quelles sont les bonnes questions à leur poser, comment ils peuvent vivre. Et à ce moment-là, on peut transiger. Et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire dans mes terrains, c'est commencer à discuter et voir quelles sont les bonnes questions qu'on peut poser. Parce que le chercheur, quand il est face à un terrain comme ça, ne peut pas être seul
En tout cas, seul, il aura du mal à poser les bonnes questions et l'usager ne pourra pas le faire non plus. Et donc, un vrai dialogue entre les deux, c'est pour moi ce que je pourrais appeler une recherche transdisciplinaire et qui remplit cette troisième mission. Mais aujourd'hui, force est de reconnaître que les financements sont très, très peu dirigés vers ce type-là de recherche et qu'on a assisté plutôt à l'inverse ces 30 dernières années à une néolibéralisation de l'université avec des financements qui viennent du privé. Même les sciences humaines et sociales y échappent de moins en moins. Alors évidemment, on trouve dans toutes les universités, il y a Carta Academica à l'UCL, il y a les Des Excellents à l'ULB, c'est des collectifs de profs qui résistent à ça, qui essayent de faire jouer la coopération et la solidarité entre eux pour dire qu'il y a moyen de faire autrement, mais ils sont hélas pour l'instant plutôt marginaux, puisqu'on dépend tous de certains types de financement. Et donc, ce que moi je redoute dans tout ça, et c'est là où il faut être extrêmement vigilant, c'est que l'expertise finalement s'assèche par elle-même, par la manière dont les universités sont financées, simplement. Et ça, c'est un vrai péril, et je rejoins donc effectivement les préoccupations de Mareik à ce sujet. Je ne sais pas s'il me reste un peu de temps ou si je peux compléter. Il te reste 2-3 minutes sans souci. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Ah, ça, mon ami. Parce que j'ai entendu plein de choses intéressantes. Est-ce que je pourrais... sur les politiques environnementales de manière générale, c'est le parallèle que je faisais, hein, donc, sur le fait qu'on utilise beaucoup les outils de marché, de sensibilisation, etc. C'est vraiment quelque chose qu'il faut redouter avec la santé aussi. C'est quelque chose qui est en route avec tous les instruments qui permettent de capter, de mesurer sa propre santé vers une sorte d'individualisation de plus en plus. Il y a, à mon avis, une vraie analogie à faire sur les politiques de santé d'un côté et les politiques environnementales. Des deux côtés, on va utiliser les instruments et les technologies de l'information pour capter de plus en plus de données, pour individualiser de plus en plus les choses. On le voit évidemment dans la santé, on le voit dans l'énergie. Et là, on pourrait faire passer les usagers comme participants à la recherche, alors que, en fait, ils ne sont juste fournisseurs de données, et c'est ce qu'on appelle en recherche de l'extractivisme de données. On va chercher des données chez les usagers, et puis on va faire du big data là-dessus. Et donc, il est capital pour moi de capaciter les usagers, mais aussi de politiser, comme le disait Mareik, les scientifiques. Et on a peut-être, nous, quand on est chercheur en sciences humaines et sociales, un intérêt ou une obligation à aller discuter avec nos collègues de sciences naturelles qui sont en général moins politisés parce que simplement ils ne travaillent pas sur des objets sociaux ou politiques à l'inverse des autres. Ils ont moins les théories et les cadres de référence qui permettent de faire l'analyse des rapports de force, le jeu des acteurs, etc., choses qui sont assez élémentaires pour les sciences humaines et sociales. Et donc il y a peut-être des alliances à construire plus transversales entre les chercheurs à ce niveau-là. OK. Merci Grégoire, merci infiniment. Donc voilà, je vous propose, si vous le souhaitez, de rebondir dans un premier temps sur ce que vous avez dit les uns et les autres. Je crois que ce petit échange croisé ne peut être que fertilisateur, comme on dit, après quoi je vous soumettrai quelques questions qui me sont parvenues. Qui veut commencer? Jacinthe? Mareik?
Il faut ton micro, Jacinthe. Oui, mais ça peut être Mareik aussi. Hein, y a pas... Vas-y. Vas-y, ok. Bon, merci, hein, c'est vraiment très, très riche voilà, d'écouter toutes ces paroles mises les unes à côté des autres. Moi, j'ai vraiment deux points qui ont vraiment, voilà, sur lesquels je voulais vraiment juste dire deux, trois mots. Le premier, c'est justement en lien avec un des éléments qui a été amené par Mareik autour de la question de la neutralité. Et donc, je partage tout à fait son point de vue, et donc de réaffirmer d'autant plus cette impossibilité, en fait, de la neutralité, et de rappeler cette idée que se dire que l'on croit à la possibilité de la neutralité, c'est déjà une forme de positionnement. On ne peut pas ne pas être positionné. Le savoir est toujours situé. Simplement, on choisit de s'inscrire dans un paradigme positiviste, de l'objectivité, etc. Mais c'est aussi une forme de positionnement. Et donc, l'importance de reconnaître les différents positionnements et de tenir en compte que le fait que être situé n'empêche pas évidemment un savoir rigoureux et de qualité. Ça, c'était la première chose sur laquelle je voulais rebondir très, très rapidement. Et la deuxième, ça a été mis en avant par Mareik, mais par Grégoire également. C'est sur la question évidemment du financement de la recherche qui est un point fondamental. Une réalité de plus en plus importante, en fait, vécue par, notamment par les universités, mais pas seulement, hein, par l'ensemble des observatoires, des lieux de recherche, etc. Comment pouvoir financer des recherches, finalement, en toute indépendance, donc quelque chose vraiment de plus en plus difficile, d'autant que le fonctionnement de l'université s'est converti quelque part aux règles néolibérales et que nous sommes de plus en plus évalués d'une part dans une logique tout à fait productiviste, hein, c'est surtout plus que finalement la qualité du savoir que l'on produit, mais nous sommes aussi de plus en plus évalués sur l'argent que nous rapportons, c'est-à-dire le type de contrat que l'on ramène à l'université, et c'est une résistance qui est très, très difficile. Par exemple, moi dans mes évaluations, je refuse de remplir cette case, combien d'argent est-ce que je rapporte, mais c'est quelque chose qui est, ben voilà, on est de plus en plus, il y a quelque chose là qui se joue et de nombreux collègues sont aussi convertis finalement à cette logique, de nouveau dans un espèce d'imaginaire, de mesurer quelque chose d'une objectivité finalement, de l'ordre de l'efficience du travail pour le coup. En lien avec ça, évidemment, à partir du moment où on est financé, même si on est financé parfois par des instances publiques, je pense notamment au niveau européen, etc., négocier en fait les cadres de référence de recherche est quelque chose de fondamental et de très difficile. Il faut pouvoir négocier les cadres de référence, c'est-à-dire qu'on ne doit pas déjà s'inscrire dans des mots-clés, des lignes qui nous sont imposées. Et c'est ça qui est de plus en plus difficile, même vis-à-vis des finances publiques, c'est-à-dire qu'on doit répondre à des appels, à des demandes, et il devient difficile de négocier à partir de là des formes de liberté et de pensée critique, ou alors en faisant le choix, et c'est possible en sciences sociales, ça l'est beaucoup moins dans d'autres domaines, de travailler hors financement. Ce que par exemple moi je fais sur toute une série de questions, notamment les questions reliées aux personnes sans papier, etc. J'ai mon statut de professeur qui me permet de vivre, et donc je décide de faire de la recherche sans solliciter de fonds supplémentaires. Mais évidemment, c'est des micro-ruses qui ne résolvent rien sur le fond du questionnement et des enjeux. Voilà. Je dois t'interrompre, Jacinthe. Oui, je me tais, c'est fini, j'ai fini. Merci, excuse-moi. Mareik, tu voulais aussi rebondir sur les interventions? Tu dois mettre ton micro. Voilà. Bien, je voulais quand même encore compléter les différentes interventions, très intéressantes, en rappelant quelques autres éléments. Il y a la situation des gens sans domicile fixe, les SDF, mais aussi la situation dans le logement en Belgique. J'ai vu des photos, des reportages de familles avec 3-4 enfants dans 2 chambres sans pouvoir sortir dehors. Il y a une misère sociale qui s'est révélée. Deuxièmement, les travailleurs agricoles. Donc, en Flandre occidentale, on produit des épinards, des petits pois, des choux de Bruxelles, avec des tonnes et des tonnes pour les fabriques à congeler tous ces légumes. Qui fait le travail là? 150 000 travailleurs d'Europe de l'Est. La moitié n'a pas pu venir à cause du corona. Mais c'est une force de travail inconnue, invisible, de nouveau. Troisièmement, la solidarité internationale.
Le corona frappe maintenant en Inde de façon terrible. Les gens ont eu 4 heures pour se confiner. Ceux qui étaient sans domicile fixe, ceux qui étaient des travailleurs en noir dans les villes, ont été obligés de quitter la ville, de retourner vers leur village, sans transport public, parce que ça s'était arrêté avec le confinement. Donc, il y a des milliers de gens dans les rues et qui sont frappés quand ils passent d'un état à l'autre, frappés par les policiers, extorqués de l'argent, etc. Un drame humain à une échelle de masse, là. Et l'autre drame humain, c'est le Yémen, d'où on ne sait rien. Au début, on disait, puisqu'il n'y a personne qui y va, il n'y aura pas de corona, mais il paraît qu'il y a, en plus du choléra et d'autres épidémies. Donc, cette épidémie nous révèle encore un peu plus et de façon très dure les lois de notre société, qui sont les lois du capitalisme hégémonique. Voilà. Laurent ou Grégoire, si vous voulez rebondir, c'est maintenant, c'est le moment, c'est l'instant. Ok, je peux parler ? Oui. Oui. Alors, sur la question de croiser, je dirais, les résistances sociales et les préoccupations de l'écologie, je crois que un des vecteurs importants de la contagion au milieu de travail, ça a été les abattoirs, en tout cas pour les professions masculines. Et donc là, c'est vraiment intéressant parce qu'on a parlé, Marek a parlé de la production massive de viande, elle a donné toute une série de chiffres, mais l'intermédiaire, évidemment, entre ces animaux et notre assiette, ça passe par les abattoirs. Et les abattoirs ont une organisation du travail qui est extrêmement rigide, hein, avec une très forte division sexuelle du travail. Donc, en gros, les femmes pour la volaille, les hommes pour les gros animaux, hein, et avec des conditions de travail qui sont très dures. Et aussi avec ce que Marie vient de relever par rapport à l'agriculture en Europe, énormément de travailleurs qui viennent en fait de pays étrangers, avec des contrats précaires, etc. Or, qu'est-ce qu'on voit dans les abattoirs ? C'est que, et maintenant, on a vraiment une alerte au niveau international, ce n'est pas un ou deux pays, on a des données qui proviennent d'au moins une dizaine de pays, c'est que c'est un des foyers de contagion importants. On a par exemple des régions aux États-Unis, on a pu calculer que parce qu'il y avait une forte concentration d'abattoirs, il y avait eu beaucoup plus de contagion au coronavirus. Alors, dans les abattoirs, le problème ne vient pas des animaux. Donc, ce n'est pas les animaux qui ont été les vecteurs de la contagion. La contagion s'est faite d'humain à humain. Et elle s'est faite de façon, je dirais, intensifiée et amplifiée à cause des conditions de travail et des conditions d'emploi des travailleurs de ces abattoirs. Et donc là, je crois que c'est vraiment une occasion idéale pour quand on pose des problèmes dans une perspective à la fois, enfin, on tient compte des conditions de travail et de l'écologie, ben, de remettre en cause effectivement non seulement comment on travaille, mais aussi qu'est-ce qu'on fait. Et donc c'est clair qu'on a été forcé au moment du confinement. On était forcé dans l'urgence, et c'était fait du haut, hein, de haut en bas, de dire qu'est-ce qui était important et qu'est-ce qui n'est pas important sur la société. Alors, je ne dis pas que tous les choix ont été les bons, loin de là, mais en tout cas, la question s'est posée. Mais je crois que ça, c'est très important comme acquis pour des mobilisations écologiques futures. Alors, ce qu'on a dû résoudre dans la panique et la précipitation pendant les quelques semaines de confinement, ce sont en fait des questions parfaitement légitimes sur le long terme, mais qui n'appellent évidemment pas les mêmes réponses et certainement pas la même manière de les trancher. Autrement dit, je crois que la manière juste de les trancher, ben, c'est de créer des alliances entre, d'une part, les collectifs de travail concernés et la population, et que ce ne soit pas le pouvoir au niveau central qui décide qu'est-ce qui serait raisonnable de maintenir comme production et qu'est-ce qui vaudrait mieux écarter. Merci. Alors, ce qui est intéressant dans une crise, c'est son opération de révélation. C'est une crise toujours révèle des tas de choses. C'est très connu en sociologie des techniques. Quand il y a une panne, tout d'un coup, les humains s'activent autour des objets, des infrastructures qui sont en panne. Des tas de choses qui étaient invisibles sont révélées, etc. Ici, c'est ce qui se passe évidemment dans cette crise. Des tas enfin, des pans entiers de la société qu'on ne voyait pas, ou à part quand on était éventuellement spécialiste en sciences humaines de l'un ou l'autre, hein, que ce soit les sans-papiers, SDF, ces travailleurs qui vont dans les champs, etc., etc. Tout d'un coup, hop, apparaissent en tous les cas pour ceux qui veulent bien les voir. La question que ça pose pour moi, c'est comment faire en sorte que c'est leur présence insiste dans l'événement et au-delà de l'événement. Comment on peut à la fois garder évidemment des traces, mais aussi des liens et des relations dans toutes ces solidarités qui se sont tissées spontanément. Comment on va pouvoir faire perdurer et continuer à rendre visible
C'est tout ce qui a été révélé dans cette crise, parce que forcément, il va y avoir énormément de forces qui vont vouloir nous faire revenir à la normale. Et là, vous mettez un L apostrophe ou pas, c'est comme vous voulez. Et ces forces sont déjà à l'œuvre et en train d'essayer de nous faire oublier tout ce qu'on a pu apprendre à titre individuel, dans nos sensibilités, dans nos perceptions, mais aussi dans les relations qu'on a pu voir apparaître de ci, de là. Et donc, effectivement, c'est une question que je lance. Je n'ai pas de réponse, mais il va falloir travailler non seulement à cette mémoire, mais à maintenir vivant une série de liens qui se sont tissés. OK, alors maintenant, on va entamer une partie assez compliquée de l'exercice. Il n'y a pas énormément de questions, mais elles sont substantielles. Alors, je vais les lire en les résumant toutes les trois ou quatre et vous laisser y répondre librement et conclure en même temps pour qu'on ne dépasse pas trop le temps prévu. Alors, une première question de Axel. Étant donné que cette crise sanitaire va durer et que les possédants veulent faire payer la crise aux plus précaires et aux plus faibles, à quand un rassemblement de scientifiques, de travailleurs, de personnes sans papiers, de femmes pour discuter d'alternatives sociales, sanitaires et écologiques? Donc là, c'est vraiment le rôle des scientifiques, des chercheurs en tant que citoyens avec leur savoir qui est soulevé. Une deuxième question de Francis Houard. Je n'ai malheureusement plus la référence, mais j'ai été frappé par l'avis d'une association de médecins des Pays-Bas et d'autres scientifiques de ce pays face à la politique en faveur d'une politique de non-confinement. Comment expliquer que la science, entre guillemets, puisse à ce point émettre des avis divergents? Pour moi, cela implique une certaine disqualification du discours scientifique en tant que expert des sujets qu'il traite. Une troisième question qui est plus en liaison avec la première de Mauro Gasparini. En France, les enseignants-chercheurs se sont mobilisés à plusieurs reprises ces dernières années, y compris par la grève. Les travailleurs et travailleuses des universités de Belgique pourraient-ils les rejoindre, je suppose, aller au-delà de prise de position, j'imagine la question parce que je ne sais plus la lire, certes importante mais pas décisive dans le rapport de force, ne serait pas un autre moyen de forger des alliances avec des mouvements sociaux, climat, syndicats, jeunesse? Je suppose que là c'est une demande d'aller au-delà d'une prise de position telle que celle de Carta Academica. Voilà, alors il y a une question de David Jamar. N'y aurait-il pas aussi une question raciale, y compris dans le travail des abattoirs? Voilà, c'est une question qui est plus particulièrement pour Laurent. Eh bien voilà, je crois qu'on va en rester là. Je vous repasse la parole dans l'ordre inverse, donc je propose que Grégoire, tu commences. Micro. Sur la question de la disqualification possible des scientifiques, comme je l'expliquais tout à l'heure, dans cette crise sanitaire, existe une série de controverses. Les controverses, c'est quelque chose d'inhérent au développement des sciences. Les scientifiques ont besoin de se disputer pour essayer de se mettre d'accord. Mais il faut d'abord se battre. Finalement, le rituel scientifique est organisé pour ces débats. Et les controverses jalonnent toute l'histoire des sciences. Donc ici, on a affaire à une incertitude. Et le problème, ce n'est pas tant les scientifiques qui disent des choses péremptoires, mais c'est qu'elles le disent peut-être dans l'espace public, avec une certaine force médiatique, et qu'ils ne disent pas, et que les journalistes après les reprennent, et pire, les politiques, sans dire oui, mais c'est ça, c'est votre opinion, ou en tout cas, c'est ce que vous pensez, étant donné les connaissances qu'on a actuellement, mais que dit votre collègue ou quelqu'un d'autre? Et c'est plus une question d'ignorance de la manière dont fonctionne la science en train de se faire. Plutôt que la responsabilité des scientifiques, quoique il y en a aussi
un certain nombre qui sortent assez régulièrement de leur domaine de compétence. Donc ça, il faudrait... Je ne sais pas comment on résout ces questions-là, mais il ne faut pas non plus... Enfin, c'est un problème que de penser que ça puisse disqualifier les sciences, alors que c'est finalement un fonctionnement relativement ordinaire. Concernant vite la grève des enseignants-chercheurs, ce serait magnifique de pouvoir faire ça, évidemment. Je pense que beaucoup d'enseignantes chercheuses et leur équivalent masculin vont être très, très en colère si on continue les cours à distance, les examens à distance, qui sont toujours une catastrophe pour les enseignants-chercheurs, mais évidemment aussi pour les étudiants, et que ça pourrait être l'occasion d'un vrai mouvement de grève, alors si jamais les autorités continuent. Ceci dit, il faut savoir que ce n'est pas forcément dans les habitudes à l'université de faire grève. Il y a une certaine, je pense, condescendance par rapport à cette idée, mais ça, peut-être que je laisserai Jacinthe compléter. Marek ? Micro. Oui, je pense que cette crise du corona en soi, médicalement, va se résoudre certainement vers la fin de l'année prochaine quand il y aura un vaccin, je pense. Mais d'un autre côté, on va dans une crise inconnue du système capitaliste. Il s'est arrêté au niveau mondial. Et donc, on ne sait pas les conséquences. Les conséquences sociales sont terribles, elles le sont déjà. Et les conséquences au niveau des consciences sont aussi à... il faut s'attendre à des changements quand même. Je pense qu'en premier lieu, les services de santé, les services des soins, les services de tous ces travailleurs invisibles doivent et devront être réévalués. Et je pense que dans le secteur de la santé, la colère blanche de Wittewood pourra se réexprimer. Je pense que ça, c'est un moteur essentiel. Le secteur des soins de santé pourra montrer qu'il ne veut plus que le système reste comme tel. Donc ça, c'est un mouvement social à prévoir. Mais d'un autre côté, je pense qu'il y a aussi un capital de volonté de changement dans notre société qui est en train de s'accumuler. Les gens, beaucoup de gens dans la rue, disons, disent que ça ne peut pas continuer comme ça. Le monde est à exagérer avec sa globalisation, sa mondialisation, etc. Donc, il y a des questions qui se posent et que c'est là-dedans, c'est aux partis politiques et aux syndicats et aux mouvements ouvriers de proposer des alternatives, de proposer des réponses aux besoins immédiats et aux besoins pour notre société future. Laurent, tu t'exprimes évidemment sur l'ensemble des interventions, mais il y a une question qui t'est plus particulièrement adressée, c'est-à-dire sur les travailleurs des abattoirs et la présence de nombreux racisés dans les abattoirs. Oui, alors d'abord, je crois que chaque fois qu'il y a une crise, c'est important d'être capable aussi de ne pas vouloir à tout prix, je dirais, plaquer sur la réalité les schémas qu'on a. Et donc, quand on analyse les processus de travail dans les abattoirs, ce qu'on peut dire en tout cas sur la racialisation, c'est en partie vrai, mais c'est pas toujours vrai. Et donc là, je crois qu'il faut aborder cette chose avec prudence. Donc, ce qui est toujours présent dans le processus de travail, par définition, c'est la question de classe. Parce que la classe elle-même, c'est tautologique. C'est la division du travail qui va créer des classes. Et c'est la question des rapports sociaux de sexe. Ça, c'est omniprésent. On peut aller dans un abattoir en Chine, en Belgique ou au Brésil, on va retrouver ces éléments-là. L'élément des rapports ethniques joue un rôle, bien entendu, et donc ce serait absurde de le nier, mais qui n'est pas intrinsèque au processus de travail. Et donc, si on va observer un abattoir en Chine, je crois que la division du travail ne répond absolument pas à un élément racial ou ethnique. D'autres facteurs entrent en jeu, et donc on ne va pas observer, alors que le processus de travail est très proche de ce qu'on observerait en Belgique. Donc si on prend en Europe occidentale les abattoirs, je dirais qu'on a en gros trois groupes, après avec leur importance relative peut varier d'un pays à l'autre, c'est des travailleurs nationaux, et là où on a les emplois les moins qualifiés, des travailleurs non nationaux. Mais ces non nationaux peuvent parfaitement être des Roumains ou des Polonais, il y en a énormément qui travaillent dans le secteur de la viande, ou ils peuvent être des Africains,
Donc la question là de le poser en termes de racialisation, je ne suis pas sûr que ce soit la manière la plus pertinente de la voir. Mais je ne dis pas qu'il ne fallait pas la poser. Mais à mon avis, ce n'est pas l'approche la plus riche, en tout cas, quand on examine les conditions de travail dans les abattoirs. Alors, sur la question de la disqualification de la science, je dirais que ce n'est pas parce qu'aux Pays-Bas, il y a eu un article pour dire qu'il ne fallait pas le confinement, que ça disqualifie la science. C'est beaucoup plus... Le confinement, c'est un choix qu'on fait sur la base de données scientifiques. Et les données scientifiques elles-mêmes sont relativement claires en matière de contagion par voie respiratoire. Donc, on sait que plus les gens vont interagir entre eux, plus il y aura de la contagion. Donc, la décision du confinement, c'est une décision par rapport à un risque qui se répand, je dirais, à une vitesse très grande, et c'est ce qu'on a observé en Europe occidentale. Et donc, de mon point de vue, le confinement a été entièrement justifié. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a des choix entre confinement ou refus du confinement? Il y a toute une série d'éléments qui peuvent jouer. Donc, certains sont des éléments de nature objective, la densité de population, les habitudes culturelles, tout ça, ça peut jouer. Le contexte social, en Amérique latine, dans les grandes villes où 60% de la population est dans le secteur informel, la notion de confinement, évidemment, n'a pas la même signification que chez nous. Donc là, on est de l'ordre du politique. Et puis, il y a quand même en toile de fond un élément très important qui est le darwinisme social. Donc, parmi les gens qui refusent le confinement, il y a une idéologie qui est, la sélection de l'espèce. Et de dire, on va passer par un moment difficile, les éléments les plus faibles de l'espèce humaine, on va s'en débarrasser, enfin, on le dit plus gentiment que ça, mais enfin, c'est un peu ça, hein. Et les éléments les plus forts, ils vont survivre et on va vers une humanité améliorée après le virus. Alors, ce que ce darwinisme social cache, c'est évidemment les énormes inégalités sociales qu'il y a derrière ça. Hein. Et donc, je crois qu'il y a là des différences vraiment culturelles qu'il peut y avoir parmi les chercheurs, qui ne disqualifie pas la production scientifique en tant que telle, parce qu'en virologie, honnêtement, que ce soit des chercheurs des Pays-Bas, des chercheurs suédois ou des chercheurs italiens, ils arrivent plus ou moins aux mêmes conclusions en ce qui concerne les mécanismes de contagion. Le choix politique, par contre, confinement ou non-confinement, passe par, une étape intermédiaire, et cette étape intermédiaire, c'est cette question, à mon avis, du darwinisme social. Ok, merci. Alors, Jacinthe, une question s'est ajoutée en cours de route à laquelle je crois il te plaira de répondre. C'est une question de Jory Walid qui nous demande de dire quelque chose des migrants, de la régularisation des sans-papiers et de toutes ces personnes qui souffrent tout particulièrement dans cette période de crise sanitaire. D'accord, merci. Donc, je voulais dire deux choses et je vais faire un lien entre une des idées et cette dernière question. La première chose, je voulais donc, évidemment, moi, je ne connais pas la situation des abattoirs en tant que telle, mais je voulais dire que de manière plus générale, clairement, les diffractions de classe, de genre et de race sont à la fois mises en lumière, bien que passées sous silence, et accentuées par la question du Covid-19. Donc, les chiffres actuels à disposition établissent clairement des effets de pandémie racialement situés, en lien avec le racisme structurel et les enjeux de classe, d'âge et de genre. Donc, je pense que c'est une question effectivement fondamentale et ça joue bien entendu aussi pour la question des personnes migrantes et quant à la question de la régularisation des sans-papiers. Donc, on a vu vraiment des collectifs sans-papiers se mobiliser pour demander cette régularisation qui, en effet, pour de nombreuses raisons par ailleurs, et je n'ai pas le temps ici de m'étendre, mais d'autant plus dans cette situation de pandémie, semble tout à fait indispensable, ne serait-ce que pour des questions sanitaires. Et donc, on est confronté finalement ici à une absence de réponse qui pose énormément de questions et qui vient encore dire quelque chose finalement du peu de crédit et de respect accordé à la vie de ces personnes et à leurs engagements politiques. Et la deuxième chose que je voulais dire, je voulais pour terminer donner la parole à Edgar Morin qui nous dit de la crise qu'elle libère en même temps des forces de mort et des forces de régénération, d'où son ambiguïté radicale. Avec cette idée que la crise porte en elle à la fois la potentialité du retour au statu quo, et on voit qu'on est déjà en train d'emprunter ce chemin, voire de la régression, et c'est évidemment le chemin qui fait le plus peur, mais aussi celui du changement plus ou moins radical, au prix de tensions entre les éléments et les forces antagonistes de la société et de lutte.
Et je pense en effet que pour ces luttes, des alliances sont indispensables entre les mouvements sociaux, les universitaires, etc., même si elles n'ont rien de simple, parce que les revendications sont elles aussi situées. Et donc, voilà, on voit des choses qui émergent et on ne peut qu'espérer que ces alliances puissent prendre forme et perdurer en respectant aussi les singularités de chacune des composantes, finalement, de ces alliances. Voilà, en quelques mots. OK. Eh bien, je crois que ça constitue en même temps une très belle conclusion. Ça me fait penser à un témoignage d'un camarade qui, à propos du décès de Michel Piccoli, rapportait que Michel Piccoli avait hébergé Alain Krivine quand la Ligue communiste en France avait été interdite suite à l'attaque d'un meeting fasciste en 1973, et que Piccoli avait trouvé très agréable de discuter avec ces méchants révolutionnaires au couteau entre les dents, et que les révolutionnaires, il avait demandé « qu'est-ce que je peux faire pour vous aider ?» Et Krivine lui avait répondu ben, « ça ne sert à rien que tu ailles distribuer des tracts aux universités, aux usines, ce n'est pas notre genre, mais bats-toi dans ton milieu pour les revendications des artistes et des travailleurs de la culture ». Je trouve que c'était une belle… Il y a un parallèle à faire avec ce que Jacinthe vient de dire. Voilà, donc je vous remercie toutes et toutes pour votre contribution, pour vos contributions. Je remercie celles et ceux qui ont eu le courage de suivre ce débat qui a un peu dérapé au niveau du timing, mais pas trop. Je vous rappelle que tout ça pourrait être revisionné sur la page Facebook de la gauche anticapitaliste, et je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous et surtout des autres.